Le bilan de la FSU est clair, la rentrée scolaire 2020 est catastrophique. La situation dans les écoles se dégrade de semaine en semaine entre organisation approximative et manque d'eau dans les établissements. On fait le point avec Eddy Ségur au micro de Stanley Manicor. Après 3 semaines de classe, nous voyons que la situation dans les écoles est en train de se dégrader. Donc aujourd'hui, on ne pourra pas se permettre tout simplement d'attendre sur des interdictions de port de masque en haut de la soufrière ou la fermeture des bars à 22h. Nous demandons tout simplement, comme ça a été prévu par le ministre de la Santé et par le Premier ministre, que le préfet prenne des décisions drastiques pour les écoles. Aujourd'hui, rien n'est fait et donc nous ne pourrons pas continuer à voir et les élèves et les enseignants être mis en danger comme ça. Donc nous attendons tout simplement que Madame la rectrice prenne ses responsabilités et mette en sécurité et ses personnels et les élèves qui sont sous sa responsabilité. Nous sommes dans des écoles, pour la plupart du temps, qui n'ont pas accès à l'eau. Nous sommes avec des élèves qui ne portent pas de masque, notamment en élémentaire. Et nous savons pertinemment qu'aujourd'hui, nous n'avons nullement les conditions sanitaires pour accueillir correctement les élèves et surtout faire de telle façon que l'anxiété qui est en train de grandir et chez les enseignants et chez les parents d'élèves puisse s'amenuiser. Donc aujourd'hui, je pense que Monsieur le Préfet, Madame la Rectrice doivent prendre toutes les deux des décisions nous permettant tout simplement de retourner au travail de façon sereine. Et tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en zone rouge. Le seuil d'alerte est déjà dépassé, ça fait bien longtemps. Et nous sommes tout simplement dans une situation sanitaire extrêmement grave, puisque nous savons pertinemment que, aussi bien sur Saint-Martin que sur la Guadeloupe, les lits de réanimation sont quasiment tous occupés. Donc nous, tout ce que nous voulons, c'est qu'aujourd'hui, nous soyons respectés pour ce que nous sommes, les enseignants, et respecter pour ce que nous sommes, je parle bien sûr d'une façon globale, la population guadeloupéenne. En tout cas, la santé mentale en prend un coup. Les collègues sont extrêmement désorientés par rapport à tout ce qui est en train de se faire et tout ce qui est en train de se dire. On nous annonce même qu'aujourd'hui, le fait de porter un masque nous rendrait quasiment invincibles et nous donnerait donc l'obligation de continuer à travailler quoi qu'il se passe. Je crois qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer comme ça. Et donc, nous sommes venus exprimer ça à Madame la rectrice. Et j'espère surtout que nous aurons des réponses claires, nous permettant tout simplement de lever un certain nombre de doutes.